Il était président tout haïtien, il était président Moïse Jean-Charles. Même les 500 000 personnes qui ont voté. C'est la majorité. La majorité, clair. C'est la majorité. C'est la majorité. Et Jodia. La majorité. Jodia. C'est la majorité. Population. De Daniel Premier. Fais-nous faire président Jovenel Moïse confiance. Faire tête calée confiance. C'est clair. Mais Lorison, demandé... député Lorison, moi on connaît l'on parle de président Jovenel qui t'a fait, qui t'a de majorité, hein, ou en face de quoi on a tout à parler avec lui parce qu'il était dernier. Mais ma minorité pour ça, non? Mais écoutez, mais vraiment, je vous dis là, c'est le dernier après qui acte de gérer le pays. Je ne pas nous mentir. Moi, je dis logiquement. L'élection vient avec Baye là, papa, il va pas même non. Moi, je me dis maintenant. Non, moi, appelez l'élection que l'on parle avant. La Bible dit le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Moi, je dis là, je me dis là. Moi, si le dernier a mis tête là avec le premier, oui. Pays ça, frère pour 20 ans. Ou moi, job pour vous. Job bizarre. Pas besoin de job, monsieur. Non, ma brevet est pour encore, frère, puis maintenant. Et ça me dit, je suis content de dire. Et ma premier ministre, on là. Attendez, mon frère. Attendez, mon frère. Je connais exactement ce que je dis là. Premier ministre, on je connais exactement ce que je dis là. Si dernière, mettez tête avec première, pays ça fête pour 20 ans. C'est le président Jovenel. Non, on est exactement ce que je dis. Si le président Jovenel est louco, mystique. Et nous connaît Haïti son pays mystique lié. D'accord. Et oh mon Dieu. On a rappelé président Jovenel Moïse dans toute consultation que l'a fait yo. Li essentiel pour lui. Était dans le sujet, oui, cohabitation, il a donné là. Li essentiel pour lui. Pendant qu'on a parlé de cohabitation entre l'opposition politique et le pouvoir. Et le pouvoir. D'abord, au niveau de tête calée, comment nous comprenons ça? Comment nous comprenons ça? Bon, écoutez, Lugo nous dit, dans tête calée. C'est notre gagne non, dans tête calée, priorité nous, c'est Haïti. Ok. Mais est-ce qu'on a bien cœur? Comme si vous nous partagez pouvoir, vous nous ouvert c'est pouvoir. Pour question de cœur, Lugo. C'est pour question de cœur. En 2006. Mm-hmm. Son question de Haïti. Son question de Haïti. Parce que des réchignards qui peuvent même quitter. De toute façon. De toute façon, président Jovenel Moïse, non, quatre figures politiques. Pareil. Avec premier. Secteur politique pour le Chita, c'est secteur politique par là. Pour le consulter. Pour le consulter. Parti politique que le sorti. Dans la question de cohabitation, ça. Pour nous. Depuis le visé Haïti. Papa dit que président. Il n'est pas question. Il n'est pas question de cohabitation. Que on a qui besoin d'espace pour voir. Pour le consolider tête li. Non, d'accord, oui, là. Nous pas gagnons ça. D'accord. Nous pas inscrit action yo dans une cohabitation pour des nèg qui besoin espace pouvoir pour consolider tête li au détriment majorité. D'accord. Est-ce que le président chita avec PHTK? Président Jovenel Moïse lui parler avec PHTK chaque jour. Ok. Maintenant, cadre consultation, yo. Dans le cadre débat, ça que nous avons fait là. Vous connaissez deux brèches PHTK, je ne sais pas qui est là. Bon, PHTK, li indivisible. Ok, ok. Le mouvement tête calée. Ok. Le mouvement tête calée est indivisible. Okay. En tête calée, ou carrément, plusieurs mouvements. Mais toutes ces têtes calées. Très bien. Le mouvement Tête Calée est indivisible. Moi, je parle du parti. Le mouvement Tête Calée, je vous dis, est indivisible. Il y a eu un petit problème entre Mme Yannick Mézil, qui était supposée. Madame Madame. Président et PHTK. Et puis, il y a un ancien député,
Et je ne me rappelle pas son nom là. Non, député. C'est pas un ancien député, ancien conseiller électoral. Liné Balthazar, Liné Balthazar, c'est un membre cadre, son membre cadre, son membre directoire PHTK, qui est responsable, qui était toujours responsable opération électorale. Donc PHTK pas qu'à avancer sans Liné Balthazar, tout comme PHTK pas qu'à avancer sans Yannick Mézil. Ok, c'est bien. Ok, on a le sous-cohabitation. On continue. Donc, on est dans la cohabitation. Dans la question de cohabitation, Lugo. Comment PHTK, well? Nous dit que. Alors, madame, monsieur, il faut nous capables de faire une différence entre gouvernement de consensus, gouvernement d'ouverture et cohabitation. Ok, on a parlé de trois différents là. Ok? Alors, je dis là, dans le débat politique là, dans question. Alors, gouvernement d'ouverture, là, c'est même avec cohabitation. Non, il ne dit pas même. Cohabitation, non. D'ouverture. Non, il ne dit pas même. Et cohabitation, alors, vas-y, quoi. Son partage de pouvoir. Son partage de pouvoir. Ok. C'est exactement. Mais, Louko, m'a dit où la cohabitation, li exigeait. Ou ensemble de préalables pour cohabitation. Oui. Je dis à l'opposition politique qui t'a fait proposition de sortie de crise qui chita sous cohabitation. Mais un, faudrait-il que dans Demassa, faut opposition claire pour dire un. De faut que c'est pas opposition plurielle tout. Et de donner l'élection, Isaïe César, comment nous allons, monsieur? Bon, sans proposition, me trouver l'élection non juste. Si c'est ça vraiment qui doit être fait, si c'est ça qui doit être fait, faut que notre tête tout le monde c'est ça qui doit être fait, faut qu'il y ait d'accord c'est ça qui doit être fait. Pour nous arriver à un premier ministre que c'est opposition qui propose. Faut que nous d'accord c'est route ça pour nous. Faut que nous d'accord parce que l'orange ou tombe chita avec monde qui pas même dans la tête li clair ça qui doit être fait là son problème parce que là bon état. Donc faut que nous d'accord pays en difficulté. Faut que nous d'accord. C'est sous cabane l'hôpitalier, c'est un bon chirurgien pour jeune. Et c'est ça que doit faire maintenant. De vous d'accord. Ou entre au chita, ou pas qu'à venir chita pour nous, c'est laisser pour avoir nous par accord. Non. De vous venir chita, ou accepter vous venir, c'est qu'on d'accord déjà. Donc, de vous d'accord, moi je pense que, effectivement, Jean-Louis dit là, il y a des qui a toujours mettre un petit maquillage. Ouais, dans le bagage là. Mais, moi pense que c'est où ça, si c'est. Si c'est le principe à ça de là qui t'a dû exécuter. Moi, je pense que, au départ, il y a un ensemble de points. Et député Lérisson avancé là. Et qui. Moi-même, je prends comme blague. Bien entendu. L'homme dit que je prends comme blague, c'est-à-dire que, ou pas, un secteur, un groupe en opposition, pour mettre nos protocoles, pour accepter nos protocoles, question si le président est. Il faut que le président fasse 5 ans, grande mission. Le mandat accompagne toujours une mission. C'est une mission. Il accompagne. Maintenant, si le président pas gérer bien, exécuter mission bien, n'est-ce pas vrai? Même genre avec parlementaire. Son transition en douceur, lui. Ça n'a pas l'air là. Oui. Maintenant, si, la cohabitation. Oui, la cohabitation. Ils sont transition en douceur. Alors, qu'on y a là, deuxièmement, là, ils sont dit que. Faut qu'ils mettent dans le protocole là et que non ça c'est personnel blablabla mais que ça non c'est dépassé quand même protocole d'accord et ils font fort souffrir un député et Floristal et député de la circonscription de Port-de-Paix qui a mis en place son mot bien content parce que un député Jean-Michel Doucté participé pas problème Jean-Michel et député Floristal nous n'en débat et sous cohabitation et proposition faite par Odé Haïti et où t'as mis place son mot en aller. Bon, m'a salué Louko, m'a salué Isaïe, m'a salué
et ma tête à tout, Jean-Mi Pam, pour expliquer Pam. Et m'a dit nous, monsieur, je vous ajoute, nous comprenons que Louko Tapano sont ensemble ensemble des bagailles, que vous pensez que quitter des superflus. Yeah, et vous comprenez que c'est des sensations que vous avez fait. Mais bon, je vous dis des bagailles. Et journaliste qui a visé, et lui des informations que ou même vous n'avez pas gagné. Et que lui-même, l'élap de Célio, et que ou même vous êtes étonné, ouais, que suite à l'événement passé, comme ça, on va dire, passé, pas ça, M. Capitio, c'était vrai. Nous avons fait expérience ça. Et puis, avec tous les quatre témoins, nous avons fait expérience ça, la radio Sonic FM, à l'époque de 2004, lorsque, eh bien, Jean-Bertrand Aristide s'est gagné pour subir les conséquences de ces conséquences politiques. Ok? Nous avons fait expérience ça. Ensemble de bagages, nous avons dit que il n'y a pas de quoi. Et que il y a des stations de radio qui t'ont mis en face moi, pour te quoi, pour te dire que, assez des informations que nous avons essayé, eh bien, et fabriquer. Mais et après, nous te vois que ça me tape Dieu, c'est ça qui est. Et finalement, ça t'est arrivé. Et je vais être assis, t'es arrivé, et me faire les frais. Et donc, je vais emporter, monsieur. Nous, aujourd'hui, à quoi ensemble de bagages qu'on a dit, on va pas à la légère. Moi, m'analyser, parce que moi-même, t'es vive situation, on fait expérience là. Merci, député. Et je vais le dire, m'a dit aux bagages, c'est pas pour moi ça, c'est pas moi, c'est Louko, c'est parce que pour escalader micro, Louko Désir m'a dit ça. Je m'a fait dans tout compte, ça m'a dit à pied. Il connaît que moi-même dans Sonic FM, je fais déjà. Ça Louko fait, je fais déjà. Et peut-être, si Louko est plus que lui, il n'a pas essayé de dévier, parce que Louko a privé, eh bien, et créé la grande surprise politique. Eh bien, moi, je m'en dis, Louko. Vous avez dit, Jovenel Moïse a en réalité. C'est ou bien Jovenel Moïse dit qu'ils sont chefs d'État tout bon vrai, ou bien il dit qu'ils sont chefs d'État accaparés et qu'ils quittent à vivre pays dans le même monde qui a intérêt personnel et qui a défendu en de pays ça et au détriment de la masse. Moi-même, vous avez dit, Jovenel Moïse et qui est de bagaille. Comme des bas interviewants hier, à plusieurs stations de radio et télévision, nous avons dit que Jovenel Moïse tient comme pour devoir, pour aller vite et bien. Comme aller vite et bien. Vite, ça veut dire population pas qu'à encore, population en mise toujours en misère. Problème population pour adresser et Samuel, ça souffre comme souffrance dans la misère. Dans l'inflation de prix des produits de première nécessité, tout bagage ça, il faut que Jovenel Moïse aller vite, la population garant souffre. Mais Jovenel doit vite tout, parce que gagner un ensemble de promesses que tu fais la population par rapport à manger dans l'assiette population, mettre l'argent dans la population, promesses ça, non louer pour y arriver. Alors, Jovenel Moïse doit aller vite. Parce que moi-même, pendant mon mandat, m'a fini là, dans 4 ans. Mais, pas oublier que Jovenel Moïse, j'étais un an pour mon mandat fini tout. Donc, un an, c'est un an électoral, Jovenel Moïse. Ça veut dire, Jovenel Moïse, qui est destin dans la mer. Même destin dans la mer, c'est votre constitution. Pas ben, Jovenel Moïse doit, pour retourner dans l'élection. Mais, et ce qui est politique là, Jovenel Moïse a toujours aimé, gagner comme artiste, comme ancien président. Puis après, son monde, tombe le monde. Quel que soit l'ancien président là, il y a toujours besoin à ce que gagner, et acquis, et bien, on a dit, les séquelles de l'échiquier politique. Alors, c'est pour rien, ouais, chaque président qui vient sous palais, il y a une folie créer un parti politique. Ou pas comprendre ça, Louko? Oui, bien sûr. Ou pas chaque président qui vient sous palais, il y a une folie pour créer un parti politique. Bien, c'est vrai. Parce que nous voulons qu'il y ait un pouvoir tellement douce. Pouvoir de... Parce que moi-même, personnellement, nous le disons, il faut savoir qu'il y a une expérience de député. Et pour me mettre ma tête, pour me créer un parti politique. Ça m'y est. Moi-même, nous devons avoir une motivation. Moi-même. Nous sommes avocats, nous sommes journalistes. Et que nous venons sentir que la parole est finie. Et puis, nous ne pouvons pas régler. Nous ne pouvons pas passer à l'action. Et pour passer à l'action,
femme dans l'État, femme dans l'organe l'État, femme dans l'exécutif, femme dans l'législatif, femme dans le judiciaire. Mais le plus gros organe qui a mouvé, c'est l'exécutif, législatif. Et bien, je choisis l'législatif là. Mais je voulais dire, parce que dans l'législatif, je ne vais pas dire, parce que dans l'législatif, je vais faire le parti politique. Très bien. Je voulais dire, Jean-Marie Forestal, je vais retourner député, il pas sénateur, il pas youn dans notre pouvoir. Il a retourné côté le TIA, comme avocat, il va servir la population dans l'autre domaine. En nous était dans cohabitation, la cohabitation, je veux dire là. Est-ce que vous pensez le possible là, je veux dire, pour ta cohabitation? Cohabitation entre qui? Entre le pouvoir et l'opposition. C'est ça la cohabitation. C'est ça la cohabitation. Moi, je dois bagay. Ça, on me dit hier, ouais, la méfiance, c'est une âme qui trahit tout sentiment d'adhésion, tout sentiment d'union. Là, moi-même, je ne vais pas faire confiance. Même si je ne vais pas faire confiance, je ne avec deux doigts, je quitter l'autre trois doigts. Parce que je ne vais pas faire confiance. Eh bien. Eh bien, tu as un sentiment de confiance pour établir entre les acteurs de la vie nationale. C'est clair. Que ce soit de la société civile, que ce soit du secteur de l'opposition, que ce soit du secteur eh bien, et du pouvoir, que ce soit du secteur des partis politiques. Pour nous tous ensemble, nous faire notre confiance, nous avons un dialogue franc, nous gagner au Mdakadi, en forme de entente, et Mdakadi et franche entre nous tous, et nous voulons faire leur confiance pour nous dire ah, c'est vrai, nous pouvons vrai, nous faire leur confiance, nous faire bien mater confiance, nous faire Esaïe confiance, nous sommes capables de faire des bagages ensemble et nous sommes capables de libérer le pays. Mais quand que pendant que je baille Louko Désir la main, alors que je connais Terriem qui est prêt, je connais mon côté, je quitte Louko Désir, campé, et puis je vais aller plus loin. Laisse Louko Désir lui-même tout, il va redécir. Louko Désir tout lui-même, il a dit ah, Michel l'a amené dans le terrain, et que pour le quitter sous sa chichoua, pour aller lui-même sous sa fête là. Et ça, pour nous côté. Faut nous d'accord. Si vraiment nous voulons former un gouvernement d'union nationale, nous voulons former un gouvernement, bah on est qui dans la Bali de l'âge consensus, faut nous d'accord que nous tous, nous d'accord pour nous un pays vrai, pour nous d'accord pour dialogue la vie franc et pour nous dire, mais quand il faut ça n'a pas dit, faut inscrire nos cadres au pacte national. C'est ça. Au pacte national. C'est ça veut dire. Ça veut dire, faut nous signer. Au nom de la nation, pas au nom de nous, au nom de la nation. Et puis, désormais, nous d'accord que le pays d'Haïti n'est pas capable de souffrir toute bagaille encore. Nous tous ensemble, n'a signé tel bagaille, n'a pas tel côté pour nous vivre tel côté. Très bien. Qu'on y a là, moune qui viole pas que ça, c'est lui-même qui a considéré comme ennemi nation. Très bien. Tout le temps nous pas fait ça. Tout le temps nous pas engagé dans le processus ça pour nous dire. Ça, nous 5 partenaires, nous 6 partenaires, nous 7 partenaires, ou bien 8 partis politiques, 9 partis politiques, ensemble, nous avons signé un pacte pour nous dire, nous avons sorti là, pour nous vivre là, dans l'intérêt national, pas dans l'intérêt, pas nous, dans l'intérêt national. Et compte tenu de misère population, de souffrance peuple là, nous avons sorti là pour aller là. On y a là, le monde qui viole là, nous avons considéré le monde ça comme ennemi national et le monde ça n'est pas capable. Proposer aucune alternative pour payer encore. Mais, c'est ça pour nous faire. Merci, député Jean-Marie Forestal. Merci en pile. C'est ça pour nous faire. Alors, nous comment pour nous que je ne veux dire et nous allons souffrir de sa fiste site parce que je ne veux dire et ingénieur Thierry et l'issoti et Thierry Serre l'issoti présenté un chèque de démarrage que yo bail pour réhabilitation marché du marché Simea côté où tu marché yo plaigné que malgré tout travail à la va-vite qui t'a fait yo marché yo toujours là la pluie tomber l'eau couler sous yo tout bagaille profiter de entendre yo pour demander marché yo très prochainement dans moins de 15 jours ingénieur Thierry Serre va le récolter pour corriger le travail qui était fait, le travail qui était fait, et que
yo pral eh bien ranger toiture là pour permettre que yo pas yo à l'abri de toute question la pluie pour pas couler pour que l'eau pas couler sur yo et puis nous pral agrandir marché là. OK, on t'a souhaité que 30% yo bail là pour démarrage projet de réhabilitation marché ça parce que le gouvernement qui a venu souhaite le gouvernement qui a venu là qu'à continuer avec pour permettre que nous avons un marché moderne dans la route de marché primé. Il y a été comme sous marché bord de mer, là, marché bord de mer, pour permettre que marché lieu qui est deux marchés, même si on était auparavant, marché du marché primé, marché bord de mer. Marché bord de mer, j'aimerais faire ça toujours bataille bouillot, et il y a un budget, heureusement, marché ça a un budget, on va le bataille encore. Pour même si on fait pour marché du marché estimé, pour que on avance de démarrage qui fait dans le marché bord de mer là, pour permettre que mon marché bord de mer, yo même tout, yo gagne au marché moderne, pour permettre que yo même souffrance fini. Et là, nous finissons cette bataille ça, nous avons une bataille qu'on a pour voir le port de paix, parce que sans port de paix, pour voir, pas le port de paix, mettez machine qui a débarqué en haute mer, pour moun, l'aile aux machines qui sorti Miami, de votre côté sorti là, pousser à haute mer, débarquer avec risque pour tomber dans la mer. Nous devons pour voir des paix, pour faire marcher bord de mer, même si on a une bonne bataille, pour nous gagner, au moins, au aéroport, en attendant nous gagner, frais aéroport, même si on a avec Cap-Haïtien. Demandez-moi une bonne paix, restez patient, c'est moi qui fais ça, à bataille pour vous, et moi, tout le monde, l'ouverture pour une bataille. En tout cas, député n'a pas eu port de paix dans le week-end, non, et équipe Maté Débat, et n'a pas eu live demain, non, en Safoleur. Et demain soir, n'a pas de paix, et donc nous parlons quand même. N'a pas plus tard, ok? Attention! D'accord. Bon, oui, alors, où t'as-tu l'intervention, député? N'a fini là. N'a comprendre, Louko, député Chérestal, presque pas les mêmes langages avec nous. Mais c'est clair. À la seule différence. Louko, je voudrais rappeler pour vos auditeurs, pour les auditeurs et auditrices de l'émission Matin Débat, émission Peuple là, pour peuple haïtien, les principes de la démocratie moderne, il est clair, leur besoin pouvoir, il faut consulter le souverain. C'est pas ça, député. Non, c'est ça, lié. Oui, mais t'es pour aller en considération, ça. Ça va parler, là. Non, parler, non. Attends, Louko. Louko. On allait, non. C'est en guise de rappel. M'a rappelé que le président de la République, Jovenel Moïse, l'était mené campagne pendant 22 mois. L'y fait 3 tours élections. Mais pas les amants tout devant, mais même fais-toi tout l'exemple. Ok, mais n'a pas compris que la majorité qui te fait confiance à Vision que le tap vannan. Il va dans pile. Majorité quand même. Bon, yon majorité. Oui. Après toute tentative ou qu'on a fait pour te dévier population. Moi quoi, président de la République là, pareil. Pour faire tout sacrifice pour Haïti. Correct. Ok, bon. Là, m'a pédi, Zamim Ezayu César, m'a pas joué tout à l'heure. Fok opposition unifiel. Non. Et fok Yoshita pour dire, ah monsieur, ça fait longtemps. Là, nous d'accord. Nous avons joué rôle artisan du carreau, artisan de l'instabilité. C'est instabilité, c'est carreau qui met le peuple dans le grand rouge aujourd'hui. Okay, qui fait et moun okay. Moun ki nan ghetto yo, pas qu'à vivre, pas qu'à l'école, pas qu'à l'hôpital. Li pas sérieux, Louko. Pour un sénateur, pour crise AVC. Son avion pour louer pour lui. Très bien. Pour transporter lui, Miami. Très bien. D'accord. Ok. Mais M. Lérisson, nous avons une émission là qui est très méthodique, avec un pile principe. Okay? Oui. Le sujet de ce matin, c'est la question de la cohabitation. Proposition faite par Assad Boissi. Oui. Ici, on a une émission Matin Débat, nous prenons responsabilité déjà. D'ailleurs, nous te mettons sous table là déjà. Dans analyse pas nous, dans lecture pas nous. Si justement, t'es une cohabitation qui est faite, si le président Jovenel Moïse et son équipe privée mettent une dimension politique, ça, d'abord, il a vu paraître comme le Nelson Mandela haïtien. Pour t'attendre la main à des mouns
qui pas partager même vision avec lui, mais qui gagne un seul intérêt commun, c'est Haïti. Oui. Maintenant, c'est le débat de ce matin. Les propositions qu'on mettait sous table, je pense que c'est des prémices. De toute façon, je pense que je dis en opposition doit aller dans route ça. Si il y a une volonté, si on a souhaité que le premier ministre, le prochain premier ministre qui a un monde qui sorti dans le secteur opposition. Et maintenant, nous disons dans l'émission Matin Débat, seul Jean pour opposition t'a capable d'imposer un premier ministre, c'est Jean nous dit, c'est à partir de formule que nous dit Matin. Oui. D'abord, faut que unifier tête. Unifier tête. Pour qu'on puisse d'accord entre eux-mêmes. Oui. Et puis ensuite, yo considérer les grands dossiers de l'État, yo qu'on protocole d'accord qu'on a avec le pouvoir, et puis yo entendre sous qui est sous voir comme premier ministre. Maintenant, font-ils souffrir pour moi parce que m'a tourné sous tout à l'heure. Mais là, nous-mêmes, nous allons travailler ensemble dans le matin débat. Soit Assad Voici qui fait proposition, donc de Odep Haïti. Dans la démarche que Odep Haïti est là dans le jour là, qui c'est démarche pour t'avoir gagné une cohabitation entre l'opposition et le pouvoir, il vient établir une condition sine qua non que faut gagner une entente entre le leader de, du parti Petite de Saline et Odep Haïti qui c'est Assad Voici. Parce que démarche ça, Assad Voici pas rentrer la donne pour contre lui. Pour rentrer la donne, il faut qu'il gagne Moïse Chachal avec lui. Il faut qu'il gagne toute reste équipe démocratique là avec lui. Donc là, le premier débat, en fait, première question sur démarche ça, ils ont entente avec Moïse Chachal. Ils sont impératifs, donc je dis là, non. N'a besoin, pour les besoins de cette cause. Et c'est là que nous allons intervenir, madame, monsieur. Attendez, faire commenter. C'est là que nous allons intervenir, madame, monsieur. Est-ce que je veux dire, il y a une réconciliation, il y a une entente à cette fois-ci et Maurice Chachal, et sénateur Maurice Chachal, comment est-ce que nous-mêmes, nous, elle, nous tournons tout à l'heure l'élection? Mais qui me fait partie de ça d'abord? Très bien. Et puis, madame. Si à cette fois-ci, pata, gagne tête li pour réconcilier avec Moïse, sous principe côté le venir. Principe là oui cohabitation. Si monsieur Patagène en tête lui que lui même à Moïse, c'est une deux monde qui doit réconcilier. Avant tout. Et même monsieur Patagène même fait. Il va même faire. Eh bien. Et non, faut c'est première bêtise là, c'est lui même qui passer tête lui. Faut tu donne. Non, c'est clair. Parce que ça c'est un temps pour le gagner. D'abord. C'est politique. Alors nous habitué dit c'est prémisse. Ouais, l'homme on a fait politique. Il ne fait pas bagaille la caillou. C'est politique pour le pays. Pas gagnant, pas qui doit faire pour le pays. Mais c'est okay. Ça de vol si. Pas de penser que c'est lié à Moïse pour ta uni avant. D'abord, sous question cohabitation. D'accord. Mais monsieur, parler de cohabitation. Ok. Et Patrick Alexis, on allait nous parler rappeler rapidement. On allait sous des questions ça. On allait. Nous allons appeler 44, 54, 57, 57. Patrick Alexis, vous savez, même monde qui souligne. On allait. Comment vous? Bonjour, Loco. Bonjour, député Tato. Bonjour, tout auditeur. Bonjour, député Lérisson. Bonjour tout auditeur, auditrice matin débat, moi même son auditeur silencieux. Et nous t'avons suivi l'émission là, m'attendez. Alors, femme de loco, n'est toujours à étudier, n'est toujours à faire des bêtes. Et je voulais dire nation que moi même m'attendais qu'on va étudier sciences politiques là, on y a là. Pour tout ce qu'on est. Et nous t'attendais depuis les rissons, mettre les rissons, qu'a dit fuck. Opposition unifiée. Dans ça m'a pas brûlé là, dans la dynamique de l'opposition, moi trouvé que c'est grave que les députés ont dit fuck, opposition unifiée. Pas de démocratie sans opposition, mais opposition qui prend différentes formes. Il est capable d'opposition singulière, il est capable d'opposition plurielle, tout. Toujours est-il, c'est question pays, c'est développement pays, c'est pour pays à capable d'avancer. Mais pas de question fuck. Fuck là, je pense que soit des télévisions à réel. Quand il y a différentes branches dans l'opposition, qui sont capables de certaines cohabitations. Si vous voulez rentrer dans le pouvoir. Oui, voilà, justement. Mais il n'y a pas de même aspiration, il n'y a pas de même, il y a pas web à eux, même genre. Et puis ça nous pense que l'opposition, ça nous voit que l'opposition n'est pas une vraie opposition. Hein, mais. Vraie opposition, c'est sa population, c'est ça le l'air. Quelqu'un qui a décidé, il prend peut-être un mouvement, il dit que le responsable de l'opposition, c'est une opposition. Mais ce n'est pas jamais vrai. Ça veut dire qu'il y a une forte opposition unifiée. C'est comme si on va prendre un mec qui est là, un monde qui est là, et vous dire que c'est une opposition, c'est pas vrai. C'est sa population, l'air.
Et je dis à l'éclair que pour nous, c'est enragé, l'éclair que ça a changé à problème. Ça a été vraie opposition, nous, Chita, sur comment on a réduit misère, qui j'en a réduit chômage. Hein? C'est pas monde qui dit au leader opposition ça y est et puis on va demander pour dire que faut que opposition unifiée c'est un volonté oui, c'est des nègres mais attendez et Patrick pas blé que bon question d'opinion ok je veux dire opinion pas joue en faveur opposition qu'il a parce que lui en plus de tête ok tout le monde souhaitait que justement t'as gagné une seule opposition d'un bloc maintenant et proposition de Baïtia qui c'est cohabitation et c'est lui en fait tout le monde cap analyser comprendre qui peut peut-être permettre que gain confiance qui reprend Loco attention la situation Loco attention nous fait politique n'a pas les politiques n'a émettre opinion n'a pas opinion mais faut tout pendant n'a pas opinion tout nous pas diriger opinion avec des ordres nous pas diriger opinion tout yon gens qui ca déranger société ou ca déranger population ça me le dit pas. Je dis à quelqu'un qui a parlé de cohabitation au départ. Tu sais bien que chaque mouvement reçoit chaque parti qui a décidé pour avoir une opinion qui j'en comprenne. Et c'est avec ensemble de programmes et ensemble de ça que je viens de véhiculer, mouvement, parti et organisation à véhiculer, que nous trouvons solution parce que le pays a c'est pour nous, c'est nous pour émettre, c'est pas bloc pour dire nous, ça pour nous faire. Mais pour parler de cohabitation, d'abord, il faut que tu aies habitation. Il est comme si tout le monde était habité, il y en a que l'autre dans le pays. Il est. Il y a un petit camarade Alexis. Camarade Alexis, il y a une motion. Non. Il y a une motion. Oui, je vais te dire. Ok. Je suis d'accord avec vous. En partie. Non, je suis d'accord avec vous. En partie. Je ne vais pas dire la réalité. Ça me l'a dit où? Patrick, on est là. Patrick, on parle de l'opposition politique. Oui, il y a plusieurs femmes. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, si Odette Haïti, il y a un élément de l'opposition, mandé cohabitation, faut qu'il y ait des préalables. Ma belle dit où? Là, au Venezuela, eh bien, c'est l'opposition politique qui te font bloc en face, Maduro. Maduro. M'pas fin comprendre. Là, donc, mettez-moi clair. Papa dit que perdu une réalité. Mettez-moi clair. En tout cas, papa dit que c'est ça que fait. Nous comprenons que dynamique opposition, qui a plusieurs aspirations, qui a plusieurs mondes. Même s'il pour unifier, unification n'a pas l'air, est-ce que comme si Intel mettait ensemble à Intel pour un mouvement, pour une situation, et puis c'est ça unification. Il y a un monde de cohabitation. Faut qu'il y ait des préalables. J'ai une organisation qui demande cohabitation, mais cohabitation, il n'y a pas qu'à faire, il n'y a pas possible. Que l'almette l'autre la Kaili. C'est un problème qui va résoudre d'avance. Que l'almette l'autre la Kaili. Parce que d'abord. Si nous ne parlons pas de cohabitation, ça va être sincérité. C'est hypocrisie. C'est coup de bac par le pire. Voilà, nous ne pas tourner dans le débat encore, et Patrick Alexis. Patrick, nous saluons, et Jean-Patrick parle à nous, essayez de comprendre, nous, mais il est plus philosophique. Oui. Mais, ouais, dans un moment, c'est pratique. Non, c'est pas qu'il l'a fait, excusez-moi, c'est la réalité. Non, c'est pratique. Si on veut parler de la réalité, réalité pays, je veux dire, son pays qui est divisé. C'est un pays qui change un problème. Ok. Mais c'est la réalité. Pour le moment, il faut mettre les chutes ensemble. Il faut ramener la confiance, Patrick. C'est quand on a privé. Chaque nègre a parlé pour rentrer, pour me prendre parti, pour me gérer, et puis, ouvrir un bon pouvoir qui n'a pas fait 4 ans, pas fait 5 ans, et puis, toujours séparé, tout gâteau, séparé, gâteau, séparé. C'est pas une cohabitation réelle,
qui mandé que pour développer pays, mais si on a parlé de gâteau, si on parle de force opposition unifiée, c'est comme si on n'a pas le gâteau à un groupe monde qui pour manger population pas participer. Non, c'est ça que la réalité. Non, non, mais Patrick, Patrick, c'est pas salié. C'est pas salié. Comme Patrick. Non, Patrick, qui t'aime dit nous? N'a fait petit point ça pour vous. Comment imaginons, Patrick? C'est des balafels, ce qu'on va passer au Yon, non, je vous ai disponible, ma invité, c'est quoi ma binge, nous? Même pas dans la lune. Faut que les mecs, Louko, faut éclairer un thème population. Invité, Feuzal, ou carré les Louko qu'on y a, mais. C'est que. Madame, monsieur, exercice n'a fait aujourd'hui en matin débat, c'est pour éviter le pire. Madame, monsieur, notez-vous, moi. Exercice matin débat à faire jeudi 26 juillet 2018 là, c'est pour éviter le pire. Parce que dans l'émission matin débat, lecture par nous, analyse par nous, si jeudi situation pas redressée et que pas gagné une participation inclusive dans ce qu'a fait dans le pays là, nous allons retomber dans des choucailles encore, nous allons retomber dans émeutes. Nous allons retomber non et sur le banc populaire. Et je dis un matin débat, comme nous toujours anticipé, nous, ouais, ça va le passer, ça va arriver. Nous garder la situation, nous analyser. L'équipe de l'ODEP Haïti, ils ramassent, ils mettent sous papier. Mais tout ce qui est dans la proposition de l'ODEP Haïti a été déjà dit à l'émission matin débat. Ils ont fait un affaire débat sur le matin. Maintenant, pour éviter le pire, une cohabitation, savoir, nous t'es dit ici, hein? Nous t'es même envisagé, est-ce que Michel Martelly n'est pas capable et premier ministre? Nous même envisagé, est-ce que Moïse Tchatcha pas capable de venir premier ministre? Nous même envisagé, est-ce que Madame Milan Maniga pas capable de venir premier ministre? Alors, maintenant, on a débattu question et cohabitation. Maintenant, la question qui fait que nous, on est obligé à prendre les cognats là, c'est que, est-ce que d'abord, pour nous entrer dans la logique de cohabitation, c'est que tout analyser avec ancien candidat à la députation et Dieu donne l'élection, est-ce que je dis dans l'équipe de l'opposition, pas doué qu'on travaille que vous faites entre eux? Mais nous pas dit qui est sincère, mais j'ajoute un bagage pour. L'époque facile pour un monde dire que il pas comprendre système cohabitation. Mais il pas comprendre, Mais il pas dit ça. La pour la faire discussion avec ou la faut perdre du temps sur une série de l'autre bagaille. Et pourtant, préférer te dire que je ne comprends pas. Alors, le problème, c'est mon problème d'ODEP Haïti. Alors, pas de c'est plus que des sous-questions d'ODEP Haïti. Pas en fait d'ODEP Haïti avec lui-là. Ce que sont deux pays, je dis, meilleure façon, meilleure formule pour nous-mêmes dans le matin débat, c'était justement que Jovenel Moïse, pays à table contre en pile. Ouais, pays à Haïti table contre en pile, si le tawe que je dis, c'est 1 000 maniga. Oh, madame Milan Maniga est abri ministre. Alors, on juste le sait, c'est une difficulté. Seule difficulté, nous connaît la Canada. Oh, moi, Jean-Charles. Gon pile moun. Jean-Ricéen. Qui c'est leader, qui dit au go leader, qui pas comprenni, et qui pas dans l'intérêt. Tout. Eh bien, justement. Donc, il n'y a pas dit, il pas dans l'intérêt, non? Il y a vu combattre, là. Mais tout ça fait demander. Est-ce que, sénateur Moïse Jean-Charles Joudia, est-ce que le parion impératif? N'a pas appelé le 44-54-55-57. C'est première cohabitation qu'il vous faites. Premier cohabitation. Oui. On allez. 44-54-55, ça bon. Premier cohabitation. Oui, bonjour, on allez. Bonjour. Bonjour. Salut à tous les membres de l'émission. Moi, je pense que c'est politique, c'est d'abord idéologie. À des bons n'a fait cohabitation. Est-ce que en dedans, même Mounsayo, qui va cohabiter, pas qu'il y a une divergence dans la mise à yo? Si je suis pour la gauche, je ne vais pas aller dans la droite. C'est seulement Haïti, oui. Bah, je fais comme ça. Je pense que nous avons une maturité. Le président a une maturité. A tout ça, il gère les problèmes. Les problèmes qui sont plus criants. Parce que même pour moi, en Haïti, les politiques sont toujours entendus. Très bien, 44-54. Alors, député Forestal, d'après ce qu'il est encore, donc, vous pouvez appeler nous, député Forestal, et c'est sûr qu'il a besoin de placer l'autre mot, donc, dans l'émission matin. Hein. Et alors, pas oublier que là, nous avons une phase qui est très fragile et très critique. Et ce qu'on peut dire, c'est que gauche, allô, oui, ça bonjour. Crise, bonjour. Mais comment vous? Correct. Et moi, je salue nous, je salue Pierre Martin, à tous, ancien député. Et moi, je salue Isaïe César, qui est la gouvernementaliste, je salue Dieu. Il était en l'autre,
et féliciter nous pour grand travail là parce que c'est directeur m'a demandé nous mais je dis à me penser que et n'a pu analyser le fait là qui d'intérêt général et moi je voulais faire une intervention on allait et m'a dit avant pour venir je vais venir et porte-parole de la plateforme il a payé là et place-pas et plateforme nationale secteur populaire haïtien que et président qui a suivi la CAP des avancées correctes.